Rapproche ta main du côté le plus lourd. George, si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ces prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À plus tard, travaille bien. Tchoum. Oh, les chats. George était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasghetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'en meurs d'envie. Ne vous inquiétez de rien, détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité, c'est trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. George comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, recule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre George ou le chef Pasghetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer! J'arrive plus à me retenir! Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi! Allez, tipez les fers! Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois gentil, retourne avec Giorgio. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que George déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier! Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi! Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements... Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasghetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. C'est merveilleux, merci. Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors il faisait vraiment du cirque? Heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiété. Vous n'avez aucun souci à vous faire. George est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules.